بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين لهذه الدروس والمستفيدين منها والمتتبعين لها. مرحبا بكل من يشجعوننا عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. قناة الأحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، كما نطلب منكم المزيد من التشجيعات عبر اللايكات ديالكم وملاحظة ديالكم لكم الآن. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours, comme d'habitude, très 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 bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter toujours une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est production de l'écrit. Il s'agit d'une évaluation et consolidation. Donc, soyez attentifs et suivez bien. Donc, voilà, production de l'écrit, 6e année enseignement fondamental, évaluation et consolidation. Premièrement, je m'évalue et je consolide mes acquis. Alors, premièrement, je mets. Alors, on a dit évaluation et consolidation. Premièrement, je m'évalue et je consolide mes acquis. Je mets en ordre le texte suivant. Donc ici, c'est un texte. Il est formé de 7 phrases ou bien 6 phrases, mais les phrases, ils sont en désordre. Ça veut dire que le texte n'a pas de sens, n'est pas cohérent. On va essayer de mettre le texte, les phrases en ordre pour trouver un texte cohérent. Donc, je lis le texte. Et après, on va mettre les phrases en ordre pour trouver un texte cohérent. Ensuite, ils se sont promenés dans la célèbre casbah des Judaïs. Donc voilà la première phrase. La deuxième phrase, le printemps dernier, Nabil a voyagé avec son frère à Rabat. Troisième phrase, à midi, ils ont pris le repas à Berlin, tout près de la célèbre rue des consuls. Le consul ou le consul. Consulat et le consulier. Ils ont passé une agréable journée dans cette jolie ville. Ils ont passé une agréable, une journée très très belle dans cette ville. Qui est la ville? C'est Rabat. Alors arrivés, ils sont allés directement à l'hôtel. Après avoir arrivé à Rabat, hein, après le voyage, ils sont arrivés à Rabat. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont partis directement à l'hôtel pour se reposer. À l'hôtel, directement à l'hôtel. Le soir, fatigués, elles sont revenues à l'hôtel en train. Alors, le soir, fatigués, ça veut dire qu'ils ont passé toute la journée en se promenant, en visitant les monuments historiques, etc. Donc, ils sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles sont revenues à l'hôtel en train. Je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication et pour répondre à la question. Bien, je termine l'explication. Alors, on a dit que le soir, fatigués, hein, ils sont fatigués, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à l'hôtel en tramway. Le premier jour à Rabat, ils ont passé leur matinée au musée de l'histoire. Au musée de l'histoire et de civilisation. Au Lyon, il y a quand même خصهم الزيارة ديال المتحف ديال التاريخ والحضارات لي ديو جو دو ألو ميتونون أون فا إسيي دو ريبوند أ لا كيسيون جو مي أون أوردر لو تيكست سويفون. ألو لا بروميير فراز لو برانتون ديغني نابيل أ فواياجي أفيك سون فغير أ رابا. دونك إسي إساجي دان فواياج سوني با أفيك لا فامي سي نابيل إي سون فغير دو بيرسون. دونك لي بيرسوناج دو سو تيكست سو سون دو فغير نابيل إي سون فغير. Alors, arrivé à Rabat, après le voyage,
Ils sont directement allés, à l'hôtel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier jour, ils ont passé leur matinée au musée de l'histoire et des civilisations. Le premier jour, à Rabat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé ce jour-là au musée de l'histoire et des civilisations. Alors, ensuite, après la visite du musée, ils se sont promenés dans la célèbre Kasba des Judaïens. Donc, premièrement, la visite du musée. Deuxièmement, la visite, ils se sont promenés dans la célèbre Kasba des Judaïens. À midi, ils ont pris le repas. Après avoir été fatigués, ils sont très fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils se sont promenés beaucoup. Alors, à midi, ils ont pris le repas à Bablehem. À Bablehem. Tout près de la célèbre rue. Bablehem se trouve où? À côté de la célèbre rue Tariq al-Jouhara des Consuls. Tariq al-Consuliyyah. Le soir, fatiguées, elles sont revenues à l'école, à l'hôtel, pardon, en tramway. Ça veut dire qu'elles ont pris le tramway pour aller de Bablehem à l'hôtel. Elles ont passé une agréable journée, une jolie journée dans cette jolie ville. Une jolie journée dans cette jolie ville. Voilà. Alors maintenant, on va passer à protection du gris. Protection d'écrit. Alors, voilà un texte en racontant une sortie, une visite, un voyage à une ville, à une campagne, etc. Chacun va choisir la destination qu'il veut. Alors, moi, j'ai choisi la destination d'Ifrane. Pourquoi? Parce que c'est une belle ville touristique, etc. de l'Atlas. Un jour, pendant les vacances, je suis allé avec mes parents. Alors, ici, la visite, c'est moi et mes parents. Ou à Ifrane. Ifrane, c'est une belle ville très connue au Maroc. C'est une ville de la neige, c'est une ville touristique, etc. C'est une belle ville touristique dans notre pays. C'est une belle ville touristique dans l'Atlas, dans notre pays. Pendant notre séjour à Ifrane, qu'est-ce que je fais? Chaque matin, au lever du soleil, mon père me propose, me propose de faire du sport dans la plus belle forêt d'Israël. Le matin, au lever du soleil, on va à la plus belle forêt pour faire du sport. On a passé toute la matinée dans la forêt. Nous y passons toute la matinée. Nous avons fait du sport, nous avons joué au ballon, par exemple, nous avons fait des photos, on s'est reposé sur les arbres, etc. Après, à midi, on a pris le repas. Le déjeuner. Alors, à midi, après avoir fait du sport, après avoir joué au football, après avoir pris des photos, etc., on a pris le déjeuner sous les arbres. On a pris le repas du midi. On a mangé en plein air. Le soir, après-midi, le soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a visité la source vitelle. La source vitelle, géographie Ifrane, elle est située à 3 km. À 3 km d'Ifrane, ça veut dire qu'elle n'est pas loin, on peut partir même à pied. On trouve dans la source vitelle également la cascade de la Vierge. La cascade de la Vierge. C'est un endroit magique et idéal. C'est un endroit magique et idéal. Quelle belle journée inoubliable. Nous avons passé une belle journée inoubliable, une belle journée agréable dans la ville d'Ifrane. Donc, en visitant la source Invitel, en passant toute la matinée dans la plus belle forêt, on a passé une belle journée inoubliable. Bon, voilà la leçon d'aujourd'hui concernant l'évaluation et consolidation. Sixième année, enseignement fondamental parcours. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.